Halt! Plus un geste! Quoi? Jamais on me voit ici. Ébahis, nous regardons l'abîme et nous laissons le sommeil nous gagner. Notre Ka voyage, il quitte le corps, traverse les passages endormis et les salles du rêve. Jusqu'à... Comment pourrais-je trouver un sens à leurs rêves alors que je ne peux dissiper la brume de mon propre voyage nocturne? Qu'est-ce que t'ont montré les dieux? Je suis au bord d'un puits profond. J'entends un vautour battre des ailes et un homme hurler mon nom. Je crains que les Grecs ne tiennent Bessa. Le puits signifie l'emprisonnement. Les soldats oseraient s'emparer du maître des choses secrètes. La malédiction s'accompagne de sombres présages. Les gens sont désespérés. Si les Grecs tiennent Bessa, c'est pour l'amener à Louxor. Je vais le retrouver. Merci, Neb. Que tes heures de veille te soient propices. Calme-toi. Dis-moi ce que tu as vu dans ton sommeil. Un roi mort. Il dévorait les entrailles de mes enfants. Où est Bessa? Je dois parler au maître. Les soldats se moquent des croyances. Pourquoi enlèverait-il le maître des choses secrètes? Rabé? Cet endroit est très bien gardé. Quoi ? Hein ? Mais que ? Que j'ai le plaisir de débarrasser.
crème. C'est Miané qui t'envoie, Séni. Elle a rêvé que tu avais des ennuis. C'est pire que ce qu'elle imagine. Viens, nous ne pouvons en parler ici. Je savais que tu viendrais. Tandis que je gisais fiévreux, j'ai rêvé d'un aigle au-dessus de ma cage. Les soldats n'auraient pas dû t'emmener, Neb. Leurs rêves les piquent comme des dards de scorpion. Mais je m'inquiète surtout pour Miané. Tapti, son frère, m'a volé mes rouleaux de rêves sacrés. Pourquoi a-t-il fait ça? Je l'ignore, mais la nuit dernière, j'ai rêvé de lui mangeant des épis et fouillant le sol avec des chiens sauvages. Sombre présage. Où est-ce qu'il a emporté le papyrus? Miané et lui ont grandi dans une ferme à l'est de Thèbes. Quand je l'ai prise comme apprenti, il s'est retiré dans la cave sous la maison. Retourne auprès de Miané. Je trouverai son frère et tes textes. La réponse est entre les mains du frère de Miané. C'est Jeriette. Oh. Ils s'en viennent avec leur... Ça ne présage rien de bon. Ça a dit que Tapti se cachait dans une cave. Il est peut-être encore en vie. Ah, tué en protégeant cette ferme. Les bandits ont attaqué. Au moins les paysans se sont défendus. Ces textes, ou pour autre chose. Il n'y a plus rien ici. Les bandits ont dû l'emporter. Une obsession malsaine vis-à-vis de sa sœur. Mais il a caché les textes de Bessa sous la table.
Bacti aimait trop sa sœur. Mais les textes des rêves... Peut-être que les bandits les ont pris pour les vendre. Hein, mais que quoi? Par ici, il est temps de frapper. Tu as intérêt à viser juste. Attention. Les textes des rêves. Je dois les rapporter à Bessa et à Miané. Protégez-vous de la malédiction. J'ai des amulettes et des charmes. Des scarabées. L'aigle est de retour. Avec tes rouleaux, Bessa. Mon frère est mort, n'est-ce pas? J'ai plaqué mon oreille sur le sol et je l'ai entendu sous les sables éternels. Trahison. Trahison. Merci, Aigle. J'ignore si c'était la malédiction ou le destin, mais il était ma seule famille. Je suis désolé, Miané. Quoi qu'il ait fait, sache qu'il t'aimait. La malédiction, elle s'en prend à ceux qui ont l'âme chargée de méfaits, Miané. Ils rêvent de bateaux de roseaux s'éloignant du rivage. Veille sur toi, Bessa. Miané, nous vivons une époque dangereuse. Ton voyage n'est pas encore terminé. Reviens me voir quand tes pieds auront foulé le sol que nul ne doit fouler.